Bon route, ça très bien. Oui, oui, très bien. Tour de monde. Non. Rome et Nathalie arriveront aussi, tu vois, à partir de 19h. D'ailleurs, Justin, si vers 5h, tu peux venir avec moi, parce qu'en fait, Romain arrivant à 7h, je suis tout seul pour le décamètre. Et c'est vrai que le décamètre avec une seule personne, toi, c'est plus chiant à manier. Vous deviez être peut-être à Régiment-le-Bas, non? Parce que les vignes, il y en a plutôt au bas. Les vignes, elles sont au bas. Ah, ouais, c'est ça. Et bien nous, en fait, on est en haut. Et on fouille là depuis 20 ans, vous voyez, donc ça fait... On est les premiers amis. Oui, les premiers. D'accord. Et 17h30, tu vois. Bravo. Bon, quand même, prenez le temps de boire un verre, tout ça. Est-ce que vaut mieux qu'on se chante peut-être du coup? Ouais. En voiture, très bien. On va juste repérer les fenêtres que le tractopelle va ouvrir demain matin. Ok. Quand on, à la fin de chaque campagne, on remblait entièrement les zones qu'on a fouillées. Ouais. En fait, on a des repères en bord de parcelle. Okay. Et on va utiliser ces repères en bord de parcelle pour identifier un point de repère dans lequel on va déployer les fenêtres qu'on va ouvrir cette année. D'accord. Pardon, Lucie. Ah, bonjour Lucie, très bien. Alors, là, on est parti sur le terrain, nous, en fait, avec une autre partie de l'équipe, et on va revenir, mais pas avant 1h30. C'est un domaine en fait, qui s'appelle Régis Mont-le-Haut, ça c'est la maison de Magnol. Quand on s'en va, on met des piquets tout autour de la zone qui ne doit pas être labourée. D'accord. On a un point là-bas. Mmh. On a un point là-bas. Donc je vais commencer par installer Louise là-haut. Ouais. Après, je t'emmène Paul là-bas. Tu peux venir avec moi, d'ailleurs, c'est comme ça, tu verras les points. Ça, je verrai. Et après, moi j'irai chercher celui qui est là-bas, qui est le plus chiant à trouver. Non, mais là, il l'a foutu en l'air. Ils ont fait un drain, tu vois, c'est pour éviter. Ouais. Tu vois, je pense qu'effectivement, il y a des ruissellements de surface, donc ils ont fait un grand drain. Donc là, on va faire le tour de tous les points pour voir déjà si nos points de référence, tu vois, au Théodolite sont toujours là. S'ils n'y sont pas, là, ça devient extrêmement emmerdant. Et du coup, ça veut dire que cet axe-là, on ne peut pas le tracer. Tu vois, déjà, on sait qu'on a ces trois-là. Ouais, d'accord. Alors, est-ce qu'on va descendre par là? On va essayer de descendre par là. Il faudrait qu'on soit sur le terrain demain vers 7h à peu près, tu vois, dans ces eaux-là. D'accord, ok. Je suis désolé, hein, mais tu vois. Non, mais. Non, qu'on ait une heure, tu vois, pour installer la station. Ouais. Shooter les trois points. Ouais. Que du coup, géolocaliser la station en question. Mmh. Et en fonction de ça, repérer nos fenêtres. Ouais, ok. Ça va bien, ça va. Ouais. Louise, Romain, enchanté. En fait, ce qu'ils ont niqué, c'est celui-là. Celui-là, vous ne retrouvez pas. Oui, ça, c'est niqué. Celui-là, vous l'avez. Vous on avez celui-là ça, et celui-là. On a ça, ça et ça. Mais c'est parfait. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et on fait un backup derrière celui-là, sur le pylône. Celui-là, il est niqué. Mais c'est parfait. Celui-là, il est niqué. C'est impeccable. Et celui-là, on ne l'a pas retrouvé. Mais c'est bien. Et je pense qu'il est niqué. Parce que du coup, tu sais, il faut toujours avoir quasiment un 180. Quoi. Quand François dit on n'a pas de point de ref, c'est faux. On a plein de points de ref pour géoréférencer après. Mais c'est pour l'ouverture, en fait. Qui ne sont pas dans les axes de carroyage. Qu'on n'a plus dans l'axe de carroyage. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut pas ouvrir. Quoi. Très bien. Moi, je ne vais pas tarder à aller à la gare pour chercher du monde. Je pense que ce soir vont arriver aussi Maxime et Eline. J'espère que je prononce correctement. Qui arrivent en voiture, eux, par leurs propres moyens.
Et là, je vais chercher 5 personnes à la gare en tout. 3.